Ce lundi, le 25 avril 2016, vers 7h du matin, une embuscade a été tendue dans la zone de Gihosha, devant le lycée du Saint-Esprit, par un groupe non encore identifié. Cette embuscade a visé le véhicule d'un officier haut gradé de la Force de défense nationale, le général de brigade Athanase Kararuza, conseiller principal à la première vice-présidence de la République, chargé des questions de sécurité lorsqu'il se rendait à son travail quotidien. Comme bilan, nous déplorons trois morts, dont le général de brigade Athanase Kararuza et sa femme, ainsi que son agent de sécurité. Trois grièvement blessés, dont un enfant du regretté général, le chauffeur et un agent de sécurité. Ceux qui ont planifié et exécuté cet assassinat sans nom, non pour autre objectif que de détruire la cohésion au sein de la Force de défense nationale, résultant d'une intégration réussie depuis 2005.